Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 30 octobre 2024, VOA Creole content une autre fois encore entrer la caillou pour une nouvelle édition Rendez-vous. Moi, c'est Jacques Lebelizer, mes grands titres. Gros fièvre électorale aux États-Unis. Dans le moment arrêté 6 jours pour l'élection présidentielle 5 novembre, candidats continuent à multiplier rassemblements à apparition médiatique pour convaincre électeurs indécis. Et puis, région Moyen-Orient, Hezbollah gagne un nouveau leader. Dans le moment, Israël continue à frapper sérieusement Gaza. Côté en pile, Timoun perdu la vie, ça qui augmente qu'elle saute Washington. Et puis, dans le pays d'Haïti, clôture conférence 3 jours, atelier formation en faveur plusieurs dizaines de brigadiers sécurité publique. Fièvre électorale ici aux États-Unis était 6 jours pour l'élection 5 novembre. D'après sondage, Jean-Robert Philippe, en rien pour clair, ni pour démocrate Kamala Harris, ni pour républicain Donald Trump, Jean-Robert. Effectivement, Jacques, j'en dis à, et effectivement, j'en dis à candidat arrivé dans la dernière carrière, dans la dernière ligne droite là, avant d'être fatidique là, qui c'est 5 novembre, c'est le jour que l'électeur prend décision pour connaître qui est parmi deux candidats, Kamala Harris ou Donald Trump, il a voué dans la Maison Blanche là. It is time for a new generation of leadership in America. Are you better off now than you were 4 years ago? Ancien président Donald Trump prend la parole devant supporters lui dans Madison Square Garden à New York. Côté demande public là, est-ce que ça fait une pi bon jeudi à comparé à 4 années avant? Déclaration ça a considéré comme débat final dans un procès. Côté électeur a servi comme jury jusqu'à mardi, qui se joue électeur à bail verdict là. Ancien président qui parlait avec public là sur immigration et économie déclaré Kamala Harris has shattered Kamala Harris démenti bénéficiellement noir. Après plusieurs années, nous passons à construire dans le pays étranger, défendre frontières, finalement, nous prenons bâti pays par nous, défendre frontières nous, et puis protéger les citoyens, ça a les États-Unis d'abord. Virginia Havry, qui était dans le meeting populaire Trump-Land, déclaré l'État bon pour nous gagner un président qui est un modèle. Mais honnêtement, moi, je crois que Trump est capable de faire un bon travail dans l'administration et puis dans l'affaire étrangère. Candidat parti démocrate, Kamala Harris, te prend la parole devant ça qui est l'ellipse, là, dans Washington DC, côté l'été fait Maison Blanche, là, paraît des dolls. Même côté, ancien président Donald Trump te chauffé tête supporter lieu 6 janvier 2021 pour te dénoncer résultat élection 2020. Candidat déclaré, il est le temps pour gagner une génération dirigeante tout neuf aux États-Unis. Harris mettait devant l'électeur vision pour les États-Unis pendant qu'il cherchait à créer un contraste entre lui-même avec le candidat parti républicain Donald Trump. It is time to turn the page on the drama il est pour nous tourner page là sous le drame avec le conflit. Moi, je mettre en place la première interdiction fédérale sur l'augmentation du prix pour du premier nécessité, limiter le prix sur l'insuline et puis limiter la quantité d'argent que les peuples américains de dépenser pour acheter des médicaments. Il y a plusieurs dizaines de milliers de supporters qui étaient dans le meeting populaire candidat parti démocrate là. Angela Coleman déclaré comme première femme président, moi t'ai aimé ça pendant moins vivant. David Demantia déclaré moi c'est un garçon macomé. Personnellement, moi t'ai aimé ouais, un système qui protège droit. Alicia Raou déclaré Kamala supporte droit pour mon fait avortement, droit pour femme choisie s'il le fait petit. Moi quoi il pral assurer que pas gagne une loi interdiction nationale sous avortement pendant mandat là. Façon cous la c'est entre candidats yo, li capable difficile pour prédire vainqueur élection mardi soir. Candidats yo déjà mobilisé équipe légale dans plusieurs états pour porter plainte dans tribunal. Si au cas gain problème dans comptage bulletin voiture à question électeur qui pas qualifié pour voter. Effectivement, Jacqueline, j'entendais à candidat aujourd'hui sous béton dans l'area, il a visité l'État clé. Par exemple, ancien président Donald Trump, il a visité la première campagne dans deux États clés, qui c'est Caroline du Nord avec Wisconsin, pendant que Kamala Harris a visité trois États clés, qui c'est Caroline du Nord, Wisconsin avec Pennsylvania, il a été
ancien président Donald Trump t'a visité hier mardi à Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe, nous avons toujours dans l'actualité électorale là ici aux États-Unis et nous allons rejoindre Sandra Lemaire qui fait nous connaître que grand pile monde en Porto Rico qui vexé à mort après un comédien dénigré pendant un meeting politique Trump dans New York. Sandra. Il y a un comédien américain qui décrit Porto Rico comme un pile fatra flottant pendant un meeting politique Donald Trump qui était chargé à Moon dans New York. Ses dernières humiliations pour Zilea qui a souffri à bas mauvais traitement depuis quelque temps. There's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Depuis lundi, Porto Ricain a exprimé colère. Mais contentement yo ka affecté résultat élection présidentielle là. Porto Ricain pa ka voté dans élection générale malgré yo c'est citoyen américain. Cependant, yo gen en pile influence ak famille yo qui habitait dans divers états américains. Empecé a ver los comentarios y me dediqué a buscar entonces la información. Lise moi te commencé ouais commentaire yo et puis busquer information. M'te ouais vidéo yo publié sur réseau yo et puis moi te considéré un gros manque d'égard. Nous manque respect pour communauté noire, communauté latino et puis nous-mêmes portoricains. Ou bagay comme ça pas ta jan nou fait. Barrosas. L'idée est embarrassant. C'est une honte parce que ici on chrétien vivant, même Jean Avel. Rodriguez dit Trump t'a dû retirer commentaire. Il y a un autre portoricain qui dit c'est triste parce que Porto Rico c'est une île qui est valable et qui est chargée avec bon monde. Commentaire comédien Hinchcliffe soulevé réaction bon côté vedette portoricain Taku Bad Bunny avec Ricky Martin qui annoncé au pral appuyer Kamala Harris pour président. Harris souligne position. And as president of the United States, I will be a president for all Americans. Lisi ma président tout américain, qui tout voté pour moi ou pas, c'est responsabilité. Trump t'est participé dans une table ronde avec électeurs latinos yo dans Philadelphie mardi. Parmi participants yo, t'es un portoricain. I just wanted to tell you that I moved here in 1981 from Puerto Rico. Lizzie, Monsieur Président, moi, t'es venu dire, moi, quitté Porto Rico en 1981 pour vivre ici. Porto Rico à Porto Ricain à Rio. Trump pas mentionné commentaire comédien hein, dans la remarque qu'il était fait dans Philadelphie, mais il était vanté de bon dossier li sous Porto Rico. No president's done more for Puerto Rico than I have, so thank you. That's really nice of you to say. Appreciate it. Il dit aucun président n'a pas fait plus pour Puerto Rico passé, donc merci ou bien gentil pour dire ça et moi apprécie. J'ai fait Trump pour aider territoire reprendre après ouragan Maria en 2017 et recevoir en pile critique. Administration li t'a décaissé $13 milliards assistance pour Zilea quelques années plus tard, soit quelques semaines seulement avant l'élection présidentielle 2020. Sandra Lemaire, VOA Créole. Merci Sandra. On a rejoint Valerio Saint-Louis qui a présenté nos partis vêtements là, qui a participé tout dans l'élection à Nessa aux États-Unis avec candidat li qui c'est Jill Stein. Analyse sur quoi votre parti vêtements là qui a fait une grosse différence 5 novembre qui a venu là. C'est pas première fois que candidat parti vêtement là, Jill Stein, posait candidat il pour président américain. Dans l'année 2016, il était recevoir seulement 1% dans vote yo. En pile démocrate quoi que vote ça yo, bien que c'était seulement 1%, t'es dérangé Hillary Clinton dans course à la présidence là. Dans l'État Michigan par exemple, Donald Trump t'est battu Hillary Clinton avec plus passé 11 000 votes, pendant que candidat parti vêtement là, Jill Stein, t'est recevoir plus passé 51 000 votes. Une situation pareille est arrivée dans l'année 2000. Les candidats parti vêtements là qui étaient Ralph Nader à l'époque, t'es gagné presque 100 000 votes dans l'État Floride là. Et George W. Bush t'es battu Al Gore avec seulement 537 votes. Jack Rakovi, c'est un historien constitutionnel dans l'Université Stanford. Problème dans la formule ça, c'est que les ou gagnent une élection qui est très contestée, ou supposer que le deuxième choix moun yo réellement important. Et moi, penser que formule ça pas bon. Moun qui choisit pour voter pour candidat yon troisième parti, yo fait li pour raison indépendant pa yo. Yo tellement pas content que parti qui existait déjà yo, que en réalité, vote ça yo, c'est une forme de protestation.
Et une autre fois encore, nous voyons que les démocrates ont exprimé inquiétude que Jill Stein, candidat parti vert, a été dérangé pendant l'élection. Ils ont accusé comme quoi que l'app travaille contre Kamala Harris. Les VO ont contacté la campagne candidat parti vert, Jill Stein, co-directeur relation avec la presse parti, Sam Felfi, te répondre pour dire et n'a cité. Attaquer candidat yon troisième parti, c'est pas seulement une attaque sous démocratie, mais c'est une forme répression, une façon pour intimider électeurs yo pour yon pas voter pour moun yon vle a, ou soit même pour yon pas voter du tout. Fin de citation. Maintenant, état que yon les champs de bataille yon, tant que état Michigan qui gagne une grosse concentration musulman ici aux États-Unis, parti vet la gen plus influence. C'est parce qu'un pire musulman bouleversé par crise humanitaire à Gaza, yon fâché peut-être si pour Biden avec Maison Blanche en bail Israël. D'après yon rapport qui publié mois passé par organisation qui occupait relation américaine avec islamique, 40% musulman dans état Michigan te dit que yon planifié pour voter pour Jill Stein. Pendant que 12% te dit qu'ils ont pral voter pour Kamala Harris. Même rapport ça te montré tout que plus musulmans gen plan pour voter pour candidat parti vert la Jill Stein au lieu de Kamala Harris dans l'État Wisconsin et l'État Arizona. N'a pas appelé que c'est l'État champ de bataille côté que Joe Biden te bat Donald Trump dans l'année 2020. 2024 là, c'est une année élection côté que course électorale là très serré pour ta déterminer un gagnant à l'avance. Qui donc, vote parti vert là, ta qu'a fait une grosse différence. Pour VOA News, Maxime Adams, adaptation Valerio Saint-Louis pour VOA Creole. Élection présidentielle américaine pour le dérouler dans un moment où il y a un pile gros développement qui a fait dans le monde. Restez branchés pour l'actualité internationale. États-Unis ont une grosse inquiétude sur yon frappé l'armée Israël qui touye un pile de monde dans la région Gaza. Et puis, groupe Hezbollah a gagné un nouveau chef. Détail avec Gentil Augustin Junior. Palestinien nan Beit Laïa a fouillé nan débris après yon deuxième attaque mortelle l'armée Israël la nan Nord Gaza selon agence défense civile territoire. Yon attaque Yemadia nan district Noa te la gen yon building a terre plate et côté plusieurs douzaines moun mouri parmi yo en pile ti moun. Porte-parole département d'état américain Matthew Miller déclaré: This was a horrifying incident with a horrifying result. C'était un incident terrible ak yon résultat terrible. Mwen pa ka pale sou quantité total moun ki mouri yo, mais gen rapport ki di gen 2 douzaine ti moun ki mouri nan incident sa. Pa gen doute, an pile nan yo se ti moun kap viv des as la gen sa depuis plus passé yon l'année jodi a. Palestinien yo tap priye pendant enterrement moun yo renmè yo. Après yon attaque aérien, l'armée Israël la nan yon tente moun ki déplacé yo nan de Halbala nan mitan Gaza. Bakam Shafai, résident Gaza di: L'alam kullu shayef enno tout monde lan ka wè ke yo vize fam yo. Ti moun ak grand moun age yo. Jodi a, nou mande tout monde lan agi pou la gè sans camper sa kont nou ak pep nou an rive nan bout li. Yon l'autre côté, nouveau leader Hezbollah, Nahim Kassem, dit la respecté plan conflit leader en van liyan, Hassan Nasrallah, que l'armée Israël la tétouye mois passé ya. Nous pral continuer appliquer plan la guerre Nasrallah développé ak leadership résistance lan. Et puis, nous pral rete nan la guerre nan direction politique yo te trase yo. La fime ta monte nan ciel la nan sid Liban nan mitan bombardement Israël yo sou village Kiam ak Kafkila. D'après yon ministre gouvernement Israël la, attaque sa yo rive pendant cabinet sécurité Israël la ap diskite sou condition pou yon trêve ak Hezbollah nan sid Liban. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. L'autre point d'actualité internationale là, en Espagne, plus passé 70 moun mouri dans inondation. Gouvernement décrété 3 jours deuil national. Détail avec Marie-Louis Pierre. Wa Espagne wa Philippe du jeudi mercredi a yote déployé toutes ressources yon gagnent dans opération secours après inondation dévastateur Valencia touye plusieurs douzaines moun après yon la pluie qui pouta tomber pendant yon année et tomber pendant yon seul jour. Wa Espagne wa Philippe dit: Désolation et préoccupation. Moi, j'ai exprimé publiquement désolation, moi, avec inquiétude, moi, pour tragédie ça, qui vivait dans la nuit passée, hein, et il est toujours à déployer dans gros zones, yo, dans le pays, et spécialement dans Valencia, Castilla, La Mancha, à Andalous. Autorité locale, yo, t'ai dit, dans mercredi, au moins 64 monde perdu la vie, yo, après un gros la pluie était frappé, région l'Est Valencia, mardi, ça qui t'a quitté quelques zones impossibles.
pour arriver à joindre. Premier ministre espagnol Pedro Sanchez dit jeudi mercredi, le gouvernement pourra utiliser tout ça qui est nécessaire pour aider les victimes d'inondation. Ça. Notre pays, le monde qui, dans un moment, ça a toujours cherché mon remède. Tout le pays d'Espagne a crié avec eux. Premier ministre Pedro Sanchez a dit, dans une adresse télévisée, service urgence dans la région a demandé aux citoyens de éviter tout voyage sur route et pour suivre plus le conseil d'autorité avec une unité militaire spécialisée dans l'opération secours qui a été déployée dans quelques côtés pour aider les travailleurs d'urgence locale. Les secouristes qui ont utilisé le bateau ont travaillé dans le feu noir pour fouiller de l'eau inondation pour sauver plusieurs personnes. Photo télévision qui est sortie dans la ville routière qui montre que les services urgence ont toujours travaillé pour arriver dans une zone qui est mal frappée. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce, merci ou même tout d'être branché VOA Créole ou faire bon choix, pas déplacé. Actualité dans le pays d'Haïti, ministère justice et sécurité publique la clôturé jeudi mercredi 30 octobre 2024 là, 3 journées atelier formation en faveur plusieurs dizaines brigadiers sécurité publique pour renforcer système sécuritaire dans zone établissement scolaire. Oui, dans tout ça, gain détail des pays Port-au-Prince. 3 journées atelier formation ça en faveur brigadier sécurité publique yo qui t'est démarré lundi 28 qui clôturé mercredi 30 octobre 2024 là t'est déroulé sous thème sécurité publique et environnement scolaire en plus thématique t'est débat dans atelier formation ça tant coup importance élève l'école dans cadre fondement yo société rôle et importance brigadier yo ministre justice et sécurité publique là M. Carlos Sécule dit souhaiter initiative ça à prendre brigadier sécurité publique yo plus performant dans travail yo. Là nous sur tous les fronts, nous là côté par exemple si une station d'autobus nous présent pour nous assurer que ça bien fait si axe là doit libérer yo parler avec nous pour faire libérer et c'est pas moi qui viens avec il était là déjà et bien sous gouvernement ça nous ne fait que réactiver là. M. Carlos Sécule dit ministère justice pral poursuivre activité sa yo dans grand nord et grand sud pays d'Haïti. Bon côté parle yon brigadier sécurité publique qui parlait nan non collègue li yo montré yo très satisfait par rapport à toi journée atelier formation ça. N'a prend en pile bagage côté que peut-être nous pas gagné hier mais pour journée aujourd'hui hein. Me senti nous vraiment et joindre des bagages qui peut-être fait nous content ou là nous retourner dans l'aria parce que bon mariage policier entre brigadier cap fait c'est ça que fait nous mandé brigadier là nous brigadier nous mandé et responsable la police et ministère la justice yo doit faire notre sortie pour que la police à brigadier travaille en partenariat sans problème pendant ce temps phénomène insécurité a persisté sur toute étendue du territoire national notamment dans région l'ouest pays d'Haïti ak la Tibonite Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Toujours dans l'actualité à pays d'Haïti, ancien sénateur Youri La Tortue bay une conférence pour dénoncer dernier rapport expert Nations Unies sur personnalité politique qui t'a impliqué dans financer activité criminelle en Haïti. Yves Manuel pour détail. Pendant une conférence pour la presse, ancien sénateur Gonaïvlan Youri La Tortue dénonçait dernier rapport comité expert Nations Unies qui paraît dans commencement mois septembre et présenté devant Conseil sécurité Nations Unies 30 septembre passé. Dans rapport ça, expert Nations Unies mentionné ancien président Sénat fait objet de mandat d'arrêt pour tout le monde alors que la psychilé en d'un pays en toute impunité. Youri La Tortue dénoncé. C'est faux, archi faux. Moi pas gagné mandat d'arrêt des meurtres et pas jamais te gagné mandat d'arrêt. Dans dossier d'ailleurs, moi pense que expério si on t'a fait un rapport sérieux, si on te mettait il faut mettre copie en annexe. Moi dis moi étonné de ça parce que si je dis dans le rapport là, yo parlé du processus d'instruction criminelle là qui t'a fait. Faut parler de invitation à titre de témoin et faut parler de ordonnance là.
assassinat caractère, attaque personnelle contre moun liye an, Yuri la tortue mandé expert Nations Unies qui travaille sur sanctions internationales yo pour corriger kaye yo. Moi pense que son caractère assassination, son bagay qui attaqué, y a attaqué personnellement famille politique ouais, ni au niveau national ni international, moi dit yo suspend et moi mandé pour yo corriger fait ça. Ancien parlementaire a rappelé pendant conférence pour la presse la justice Gonaïve rend une ordonnance dans mois passé qui blanchit li sous accusation li te gen sous dol comme complot contre sûreté l'état association gang et la trier parlementaire a révélé ordonnance ça adjoint autorité nationale et internationale yo. Moi c'est Emmanuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Nous parlons dans le département Nopeya pour nous parler sous projet résidence artistique pour artisan village Noy dans Kwa de Bouke qui était couru qui était la caillou à cause bandit te fait vine au cap. Détail avec correspondant nous dans cap haïtien Gérard Maxino. Projet résidence artistique pour artisan artiste village Noy dans Kwa de Bouke bout après environ 10 jours yo passé dans ville cap haïtien. Président association artistes à artisans Kwa de Bouke Jean-Edi Rémy dit le content et satisfait pour 10 jours de travail yo réalisé dans ville au cap et moi vraiment satisfait parce que sorti de et une série de groupes de petit monde qui pas de même moyen ni marteau ni ciseaux qui était qu'on ouais et faire découper de loin et qui c'est des jeunes universitaires et résultat escompté dans 10 jours et ou pas capable de différencier entre et œuvre qui fait par élève ni œuvre qui fait par maître ça veut dire que gagne pile espoir et ça veut dire que moi gagne pile satisfaction de échange là. Magloire et Amacule sont étudiants Boza dans campus Henri Christophe Limonada il était réalisé yon œuvre qui montrait ressemblance monde musical là ak monde sexuel là dans cadre de ça mais ça m'était réalisé pendant m'ta pas apprendre œuvre ça relé symphonie corporelle. Donc c'est pour montrer ressemblance gain entre monde musical là ensemble avec monde sexuel là. Maïsan après ville cap haïtien Patrick Almodo bat bravo pour artiste sa yo qui était obligé courir quitter la caillou à cause de bandi et qui était venu mettre connaissance yo au service monocap. Son initiative qui louable que nous apprécions dans nos municipalités, dans notre capois, toute capoise, côté que nous avons pile monde qui était pas au prince quoi des bouquets, côté bandits météo dehors et je dis à venir au cap pour nous même son yo yo venir et nous accueillir, nous recevoir et côté que tout yo choisi mettre connaissance yo au service de nous même dans nord, nous même dans au cap. Et jeunes garçons, jeunes femmes qui dans l'université Beaux-Arts, dans Limonade, qui a pas appris le métier. Yo représentant UNESCO, Erika Francillon, dit UNESCO avec le ministère qu'il dit satisfait. UNESCO vraiment satisfait par rapport à la restitution ça que nous avons organisé aujourd'hui dans la cour locale Ispan. Côté que après 10 jours de travail, Artisio est là, Evio est venu présenter Evio à Artisio, c'est-à-dire tout ça a été fait pendant plus de 10 jours. Donc nous mettons là, nous exposons et que la communauté capoise là vini, yo apprécié, yo acheté, donc échange fait, donc artiste vraiment satisfait. Objectif projet ça, c'est permettre tout artisan qui travaille dans le métal découpé à rentrer profit face à la crise de sécurité dans le pays d'Haïti, spécialement Kwa de Bouke. Gérard Maxino, cap haïtien pour la Voix de l'Amérique. Nous pratiquement dans la dernière ligne droite du programme. Non, pas déplacé, nous allons parler de science et technologie dans un petit moment. Pour AirPods, capable d'utiliser pour aider quelques monde qui ont des problèmes tendés. Ça arrive grâce à un logiciel qui fait mettre là-dedans. C'est un gros avancé technologique qui est disponible semaine ça. Spécialiste au bat bravo, bien que c'est un petit groupe monde qui a des problèmes qui est capable de bénéficier de lui. Gen environ 30 millions américains. Attendez bien, ça veut dire yon sou 8 qui gen plus passé 12 ans qui pas tendé dans deux oreilles. Gen pile moun qui essaye yo mais qui pas utilisé yo à cause prix yo ou soit mauvais qualité yo ou soit yo pas ka bien chita dans oreilles ou soit pour l'autre raison. Mes amis, c'est un gros bagay dans question technologie. Automatiquement arrivé dans fait programme. Merci pour attention, merci pour fidélité. N'a pas le gros événement, c'est fièvre électorale là, ici aux États-Unis. Merci pour attention. Moi, c'est Jacques Lebelizer.
Bonsoir. J'ai été assassiné Jovenel Moïse. Ouais, dis son petit poule cap marché l'enragé. Et puis sortant de là, boulevard il va prendre, il y aller et puis pas un comme protection et pas dire un qui prend comme Messi. Mais je dis ça cap privé parce que assassinat président Jovenel Moïse là en dedans chambre la Cali sous cabane la Cali. Li servi comme exemple et comme mode, comme exemple pour que quel que soit femme et garçon qui dans l'état dans plus haut niveau dans l'état et puis yo pas dormi, yo pas ignoré question menace la mort qui capable sortir quel que soit côté lié hein, pour li pas arriver tourner ça relé yo réalité et pour pas matérialiser. Moi je veux dire qui ça. N'apprendre que conseil présidentiel transition les confirmer présence mercenaires étrangers dans le pays d'Haïti. Conseil présidentiel transition KPT conseil confirmer des présence plusieurs étrangers mercenaires dans le pays d'Haïti. Et parole ça, la parole quelques jours là, il y a plusieurs confrères qui ne peuvent pas causer ça quelques jours. Et même nous-mêmes ici, là, nous ne parlons pas de ça. Mais nous-mêmes qui ne parlons pas de causer ça, nous parlons en raison de ça que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique là, M. Carlos Hercule, lui-même, qui parle sous Magic 9, qui parle sous Télé Pluriel, qui parle sous Scoop FM, et qui montre que tu as un plan qui a manigancé pour assassiner PM Garikoni et assassiner un ensemble de l'autre ministre du gouvernement Koni. Et le ministre de Justice a clairement dit que oui, il y a une information. Ligue renseignement que Gessanre le complot qu'a fait pour assassiner PM Garikoni. Mais la question que le journaliste pose, il va jamais dire qui côté que menace sa yo, complot sa yo, ka manigan se absorti. Il va jamais dire qui bon. Kounia, est-ce que le fait que conseil président au Kounia, conseil présidentiel en Kounia, il fait qu'on est que oui, il a confirmé gagner des mercenaires étrangers dans le pays d'Haïti. Et l'un des mercenaires, nous comprenons très bien, c'est deux monde qui ou paye l'argent et puis yo vinn faire un job pour ou. Et après fin faire job là depuis que mission accompli y a viré derrière ou aller même Jean mercenaire colombien mettait avec de l'autre monde et de l'autre mercenaire arrangé avec de monde dans classe politique classe économique haïtienne non. Mais qui te mette ensemble pour y te assassiner président Jovenel Moïse? Qui donc? On ne pas prendre ça à la légère et mérite questionner et mérite que deux têtes exécutives là, en parlant de la présidence, à travers conseil président, yo, à travers la primature qui c'est PM Garikoni, ministre et justice là pour yo clairement dit qui ça exactement information yé qui ça exactement donné yé qui ça exactement situation li même lié. Mais je nous dis hein conseil présidentiel là encore m'a prédit pour nous
les confirmer présence mercenaires étrangers dans le pays d'Haïti. Et dans une lettre que secrétaire conseil présidentiel, Livo et by secrétaire primatulan, conseiller président yo, capété yo, en absence de Leslie Voltaire, qui n'est même pas en Haïti, qui c'est président capété actuellement, qui n'est pas en Haïti dans le moment, et qui trouvé dans le pays Colombie, là, il participé dans la Coupe 16. Sur question biodiversité et changement climatique, qui part en Haïti, et m'kouè tout Laurent Sissi qui part en Haïti, si m'a trompé. Eh bien, l'autre conseiller sa yo, yo invité PM Garikouni pour journée mercredi, 30 octobre 2024 là, pour yo discuter avec PM nan sous dossier ça. Et yo dit PM nan tapete a il dit yo t'a souhaité que PM nan li tout marché ak document tant kou accord à correspondance qui gè poue ak dossier ça ak dossier mercenaire qui entre dans pays. Mais bam gande ba clair, si tapete yan li écrit PM nan, li mande le rencontre et il mande pour le marché avec document soit accord ou correspondance qui dépou avec rivé mercenaires en Haïti. Est-ce que ça dit que mercenaires sa yo c'est à PM Garikouni qui t'a fait mercenaires sa yo rentrer en Haïti? On a posé question parce que dans invitation capétien l'état ba on l'idée. OK, l'état ba on l'idée, l'état veut montrer que c'est à PM Garikouni, c'est à lui-même avec équipe lui qui t'a mandé pour ta gagner mercenaire sa yo dans pays d'Haïti. OK, parce que il est clair ça Jean Capeta écrit là, Jean Capeta invité PM nan, ça veut dire yo montrer clair que si effectivement que mercenaire dans pays en j'ai dit au confirmer là, eh bien mercenaire ça yo yo fini pour PM nan et c'est PM nan faire venir. Et kounya, est-ce que mercenaire ça yo a sécurisé résidence officielle PM nan amiso? Est-ce que mercenaire ça yo y a surveillé et bureau PM nan tout 2004? Est-ce que mercenaire ça yo y a sécurisé PM dans les lab déplacés? Est-ce que mercenaire ça yo y a sécurisé m'pa konnen quel que soit endroit côté que PM nan lié pour l'aller? N'a posé question. Si c'est vrai que t'as gagné des mercenaires qui en Haïti et si c'est ta PM Garikouni qui t'a fait rentrer dans le pays. Jusqu'à présent et parole capétien, OK? Parole capétien, parole conseil présidentiel transition, li montre si ta ça que li taillé. Mais kou la nou gade. Qui ça qui t'a poussé que PM Garikouni que t'a voué à l'aide des mercenaires? On pose une question. Qui ça t'a poussé PM Garikouni à chercher mercenaires? Si est vrai, bien dit, si est vrai, Jean que Capeta voulait faire quoi là? Qui ça qui t'a fait que PM Garikouni à l'aide des mercenaires? On regarde selon analyse pas nous comprenons pas nous on regarde plusieurs facettes. Première facette là, est-ce que c'est parce que PM n'a connait gien un plan pour assassiner? Ah oui. Est-ce que c'est parce que PM n'a connait PM Garikouni connait gien un plan cap manigancé pour assassiner? Ça c'est une première question.
L'autre question qu'a posé. Est-ce que plan ça pour assassiner là? Qui est-ce qui est elle? Est-ce que c'est des monde qui le gouvernement qui ensemble avec lui, on dit des ministres, des directeurs généraux? Ou dis-moi tout. Est-ce que c'est des membres dans KPT, pour me dire bien, des conseillers présidents? Est-ce que c'est à là? Est-ce que c'est à des fanatiques de alliés de conseillers non conseillers présidents qui t'a des plans ça? Ou dis-moi, est-ce que c'est à des secteurs de particuliers qui a des plans pour manigancer, pour assassiner, pour tuer PM Gaye Kounilan? On pose question. On pose question. Est-ce que là tout PM non? Si effectivement l'alvo est derrière mercenaire, est-ce que ça pas montrer que PM Gaye Kounilan li pa kouè nan monsieur USPM yo? T'as dit bien ça me dit hein? OK? Lèm di USPM unité sécurité la primature. Unité sécurité premier ministre. Elle dit PM nan pa kouè la pa kouè nan moun sa yo. C'est bam de bagay. Hein? OK. Bam de bagay. Pas qu'il y ait aucun dirigeant dans l'État. Soit président, soit premier ministre. Soit ministre, directeur général. OK? Pas que aucun. Soit président, soit capable pour venir pour être pays, entendez bien? Soit président, tu capable pour faire tout. Ma konn se nan 5 ans, se nan 10 ans, nan 15 ans, ma konn se magetan moui. OK? Kap pral fè confiance avec moun noue les sécurité, policiers, différentes unités qui la pou sécuriser président d'Haïti, non? Pa gen moun ka fè bay sa moun jè. Et ou mèl kwen sa mdou la. Gede moun kap vin président pays d'Haïti la, yap tout gen sécurité étranger blan nan yo. Il pas besoin, il pas besoin haïtien pour sécuriser. Non. Il pas besoin haïtien pour sécuriser. Il pas besoin blanc comme si il pas besoin haïtien pour venir sécuriser. Soit USGPN, soit USPM, USP, USCC, USC là Katim non. Il pas besoin non bagarre comme ça. Il a écrit États-Unis, écrit Canada, la France, mon cher besoin et venez bien musclé qui con sacré les bodyguard bagage approché n'a payé sécurisé m'ban police haïtien cap sécurisé dans la caille moi ou bien dans déplacement samedi rallon crayon rallon plus marqué l'autre côté mon gars était mouri mais marqué ça en côté mon cap pour le président d'Haïti président haïtien quel que soit les vagues élections l'abgé blanc en sécurité l'abgé blanc dans comme sécurité. Des Aristide gen blanc dans. Hein? Aristide gen étranger tra- comme sécurité dans dol. Kouni a la, vraiment de un nèg qui c'est premier ministre Gaye Kouni, qui déjà connaît que c'est un job li vin faire là. Son job li vin faire. Il connaît fini la tourner la cali aux États-Unis. Hein, ou vraiment de là pour li pour livrer quoi là en bas mené Haïti ça là hein en vraiment des PM non pour oublier quoi en bas mené Haïti ça et nèg ça qui arrange il fait tous les jours venir lui nèg qui li dans classe politique nèg qui dans question secteur privé nèg qui dans droits humains nèg qui dans société civile et arrange il fait tous les jours venir lui alors qu'on a alors penser PM Gaye Kouni pour livrer quoi là en bas yo ah moi j'ai d'arriver PM Gaye Kouni c'est non plein monde donc il mon cap dit diversion cap fête.
on m'a dit pas vrai que m'a dit démagogie bon par contre c'est PM là connaît c'est qui PM là connaît c'est KPT qui connaît parce que KPT a les confirmé gagné mercenaire en Haïti et ça fait l'éviter PM gars connaît qui donc c'est deux têtes exécutives qui connaît dans question mercenaire qui en Haïti qui est yo qui nationalité yo pour qui ça au venir qu'est-ce qui fait au venir et ça va venir régler ça ben c'est CIO même comme autorité qui n'a tête payant qui pour bailler explication ça et qui pour bailler détail ça avec peuple haïtien vous comprenez mais m'a dit non sincèrement on ne pas ignorer rien comme information qui est pour avec question plan d'assassinat des autorités en Nigeria pas jamais ignorer ça parce que la mort Jovenel là c'est venu comme leçon. Assassinat Jovenel là, li doit servir comme leçon. OK? 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 Et je dis hein, m'blé que chaque monde comprend. Pas oublier que pas de marionnettes qui a bien passé là. Courant pas passé non en capété avec Oni. Des si m'tande chef cabinet PM Gaye Oni qui c'est Nesmi Maniga qui était dans l'émission de fin dans matin. Nous capable tande que monsieur dit sous 14 ministres qui gagne dans gouvernement Oni là. Ensemble secteur qui nan et parti politique qui voye moun nan kapete yon, yo bay 10 ministres. Allez bien. Ensemble secteur parti politique qui bay moun nan conseil présidentiel transition yon, yo bay 10 ministres tout nan gouvernement koni lan. C'est seulement 4 ministres, ça n'est les ministères régaliens yo. Que Gaye Oni c'est lui-même qui choisit yo et li pote yo bay kapete yon et kapete a d'accord moun sa yo. Mais à part de ça, tout l'autre ministre qui nande yo qui pa ministère régalien yo, c'est de moun nan kapete a secteur ben parti politique